Salut et bienvenue. Je m'appelle Maïva Catalano et je suis créatrice de contenu. C'est un bien grand mot pour dire que j'écris sur la toile comme sur papier. En bref, je suis autrice, blogueuse et maintenant apprentie podcasteuse. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as dû voir la porte ouverte ou un peu de lumière à ma taverne. Assieds-toi et prends une boisson chaude. On va parler, toi et moi. Si t'entends un barde et un peu de musique médiévale en fond, c'est normal, t'inquiète pas, j'y reviens tout de suite. Tu sais quoi ? T'as bonne mine, et ta tête me revient. Alors je vais te dire un secret. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Ouais, je sais, je les fais pas. À 19 ans, on m'en donnait déjà 24. Mais je suis assez petite pour passer pour une collégienne si je croise un groupe d'ados dans la rue. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, alors j'ai eu envie de me faire un cadeau, de moi à moi. Un podcast. J'ai toujours adoré les podcasts, ou du moins j'ai toujours adoré parler, papoter et écouter les autres. Ça, tu vas t'en rendre compte assez rapidement. Pendant des années, j'ai fait mes armes sur Internet. Différents blogs, des pages Instagram, Facebook, des comptes aussi sur des sites de fanfiction, et même une chaîne YouTube. Bon, je te préviens, la cherche pas, elle est morte et enterrée, paix à son âme. Pendant mes études, je passais beaucoup de mes trajets à écouter des podcasts. Et ce que j'adore par-dessus tout, ce sont les podcasts sur l'écriture. Il en existe déjà une multitude sur le sujet, comme comment publier son livre, comment avoir confiance en soi, et toutes les techniques qui vont faire de toi un auteur professionnel. J'aurais pu rajouter mon petit grain de sel, ma pierre à l'édifice, mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'offres, avec des personnes qui le feront déjà beaucoup mieux que moi. Du coup, je t'invite dans un nouvel espace, qui s'appellera « Toss a coin to your writer ». Pourquoi ce titre ? Si tu es familier avec l'univers de la fantasy et quelques séries de la plateforme Netflix, tu auras, je pense, reconnu le jeu de mots avec une chanson qui existe déjà. Toss a coin to your witcher. Le titre en anglais, on va pas se mentir, c'est un peu pour se la péter. Ça sonne déjà mieux que jette un sou à ton sorceleur, ou dans mon cas, sorceauteur. Quoique, je devrais peut-être faire breveter l'idée en fait. T'en dis quoi ? En plus, je vais pas te le cacher, j'ai de l'ambition. Ouais, je sais, c'est un vilain mot. Je trouve que c'est un titre pas mal, pour commencer avec des invités francophones. Mais comme le dit la philosophe des temps modernes, Amel Bent, viser la lune, ça ne me fait pas peur. Donc peut-être qu'un jour, on aura des invités anglophones, ou du moins non francophones. Ce qui m'intéresse avec ce podcast, c'est de me rapprocher d'auteurs et d'autrices à qui on ne donne pas forcément une voix, ou une plateforme. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est discuter avec les gens. Je me suis rendu compte qu'il y a un stéréotype très tenace sur le métier de l'écrivain. Un auteur, qu'il vive de sa plume ou non, est souvent considéré comme quelqu'un de très solitaire. C'est un artiste, tu comprends ? Quelqu'un qui vit et qui travaille seul, isolé dans sa tour d'ivoire, et qui est enchaîné à son bureau et à sa petite machine à écrire. J'ai envie de montrer que ce n'est pas le cas, et j'ai envie de rencontrer des personnes qui ont beaucoup à nous apprendre, au-delà des techniques d'écriture. J'ai envie de poser des questions, entre le portrait chinois et la discussion, entre copines avec le thé et les petits gâteaux. Tout ça avec des personnes que j'admire et dont j'ai dévoré les livres. Pour l'instant, j'ai envie de nous instaurer un rythme de croisière, tranquille, avec un épisode par mois. Pourquoi si peu ? J'ai pour mission actuelle de contrer cette espèce d'hyperphagie, cette consommation boulimique de contenu où on se contente de binger tout ce qui passe entre nos mains, les épisodes, les livres, les posts. J'ai envie de t'offrir des entrevues plus longues, même si c'est moins souvent. Donc ouais, bienvenue jeune Padawan, ou Paul Frenier, comme tu préfères. Toss a coin to your writer, c'est LE podcast sur l'écriture, avec un titre anglais et un accent bien français. En bref, un podcast par une lectrice, avec des lectrices et pour les lectrices. Bon, ok. Pour les lecteurs aussi. Tout ça avec des auteurs qui manient la plume comme l'épée et qui n'ont rien à envier au Witcher. Merci d'avoir écouté cette présentation jusqu'au bout. Si tu ne t'es pas encore enfui, je t'encourage vivement à écouter le véritable premier épisode avec notre première invitée. Tu vas voir, c'est super cool. À très vite !